Bonjour, on se retrouve avec le swag. Faut que je le casse ces trucs-là? Non, tu fais un clic droit dessus. Voilà, et t'attends qu'il fasse pouf. Et tu le renommes. Attends. Eh oh, tu vas où? Putain, il a grossi le mien. Avant, il était Ouais, plus il petit. grossit. Putain, il va devenir une grosse larve, le machin. Cool. Voilà. Alors attends, on va lui dire de s'asseoir. Donc, on se retrouve pour la suite. On a agrandi un petit peu ici Ah oui. l'énergie. Donc, on peut stocker jusqu'à 30 millions de RF. On a un peu du mal à charger. Ceci dit, les deux réacteurs sont chargés à 100%. Voilà. Oh. 10 millions. Et surtout, et ça manque de lumière. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Parce que en plein jour, ça se voit pas, mais la nuit, ça manque un peu de lumière. On va éviter d'exploser notre réacteur. Après, je sais pas si ça peut péter ça. Ouais, bah il faut mieux éviter parce que bon. Hop là. Il est tellement gros le fusion. Ouais. Du coup, j'ai créé les Copernicium. Alors, il nous en faut 16 exactement. Donc, on va le prendre. Attention, on a 11 minutes pour le faire. Attention, attention. C'est pour faire une laser star. Ouais. C'est vrai que c'est quand même beau. On fait un beacon. Ah non, on aura besoin de la Nether Star après. Pour justement faire un truc d'énergie. What? J'ai loupé, attends. J'ai pas dû le mettre dans le bon sens. C'est Nether Star. Ah bah oui, putain, faut dans la synthétisis machine. Je suis con, je pensais que c'était un craft. Il faut savoir qu'avec Mindshem, il y a certains trucs, c'est des crafts, et l'autre, il faut les synthétiser. Ouais, on peut pas Ça tout dépend. savoir. Bon là, alors là, il faut la synthétiser. Attends, du coup. Non, pas 32. 16. Oui, il reste 10 minutes. Pêcher. Hop. Le H et le carbone. Ouais! What? Ah oui, non, je me disais ça buguait parce que j'ai encore le Copernicium. J'ai la Nether Star! La. Et donc ça, il nous le fallait pour faire le Heart of a Star, je crois. Voilà. Il faut du crochet de diamant, du gold dust et de la redstone. Bah gold, ah non, gold dust. On le met au crusher, on a du gold qu'on met au crusher, non? Ouais, au 5000, ça marche bien. Swag mill. Donc alors attends. Au 2. Je bloque la sortie, toi. 2 et 4 redstone. Alors, le swag mill, il est ici. Hop, hop. Bon, Hop. bah ça va, on a pas mal d'underperles. Je pourrais peut-être faire l'underquarry plus tard. Pour aller chercher tout ce qu'il faut sur les planètes. Oh ben, le crachat de diamant, ça se fait avec des nanotubes. Ouais, l'underquarry, ça serait pratique. Bah, en fait, le problème est là. C'est plus, on n'a pas de façon. On n'a rien pour automatiser le. Le minage en fait, c'est ça qui nous pose souci. Surtout l'Underquarry, je crois qu'elle se charge toute seule, donc du coup, t'es Bien le tranquille. bordel. Ok, deux, bah attends, je vais pouvoir crafter ce truc. Avant que je le crafte, d'ailleurs, on va bien vérifier que la quête lot a été passée. Ouais. Ah bah c'est vrai, on a En aucun. reward, on peut. Oh, on a deux broken spawners. Attends, on va essayer de celui de droite. Un spawner à quoi? Ah, Blaze. Ok. Ah, des blaze rods, du sulfure, ouais, ça peut être sympa. Hein. Oh merde. Oh! Et en reward, j'ai eu un œuf de. Oh, et C'est quoi? quand on va faire la fameuse truc tier 3 requête, Ouais. on va obtenir 9 ingots stables. Ouais, alors sachant qu'on en a déjà 3 en fait, hein. Ouais, ça va en faire 12. Bon, on peut pas avoir les ailes, mais. Ah! Ouais, parce qu'il y a le craft des ailes. Non, il n'y est plus, il n'y est pas. Ah, il y est plus. On peut juste faire la destruction pickaxe. Une durabilité. Mais. Ah, attends, qu'est-ce qu'on peut faire à part les trucs de couleur qui sont jolis? Les outils. On peut faire des sonar goggles. J'ai jamais compris à quoi ça Ah, on peut servait. faire la builder wand. Ouais, bon, ça servira pas plus que ça. Ah, mais il y a les angel blocks. Oh, attends, c'est con. Oui, dans les angel blocks, ça se fait comme ça. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec les unstable ingots. Pas grand-chose, hein.
Bah, trop À rien en part, à part fait. les outils pétés, mec, en soi. Allez, pété, pété. Ah, bien. Donc ça crée une étoile quand c'est Ignite in World. More fire in the vicinity cause. Ok. On a. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette putain d'étoile? Donc en reward, on peut choisir deux. Alors attends, on va regarder. On va regarder les crafts, hein, une fois de plus. Star Harvester. Ok, il faut des saphirs. Des saphirs, il faut aller sur Pluto. Ça, on s'en fout parce qu'on va pouvoir y aller. Ouais, On est d'accord. on On a est la tier d'accord. 3. Ensuite, le Star Container. C'est normal Il qu'il n'y a faut plus des d'énergie. diamants et de l'obsidienne. Alors que les Heart of Star, on est bien d'accord, il faut des Nether Star. Donc on va prendre les Heart of Star. Ah oui, du coup, mec, on en aura 5. Ça Ouais. va produire énormément d'énergie, c'est trop cool. Bah, toi qui en manquais, bah c'est bon. Voilà, on a 5 Heart of Star. Burn, baby burn, fallait faire de la Netherrack. On va prendre de l'unstone, le Netherrack, très simple à faire. Ok. Ça va être cool ça. On a le polytool qui fera le airlock contrôleur qu'on pourra faire pour l'autre quête. Donc ça c'est cool. Putain, on peut obtenir une étoile. Il faut qu'on aille sur Pluto. Plutôt Ouais, il faut Pluton. un chargeur. Un chargeur. Ah, on n'a pas déjà fait un chargeur, non? Chargeur. Chargeur. Oh. Allez, oh, ok, attends, ça coûte rien. Je valide un peu les quêtes, hein. Oui. Hop. Attends, des iron bars. Non, ouais, je les ai foutus. Hop. Voilà. Ah oui, ce chargeur-là. Par un moment, je voulais le faire, mais comme j'ai vu que ça ne servait absolument à rien pour moi, donc je Ouais, ne l'ai pas. apparemment, c'est juste une version cheap de. Oh, ça va, c'est des iron bars et de la redstone. Ouais, c'est pas ouf. Screw Gravity. Oh, on peut faire un Gravity Helmet aussi. Screw Gravity. J'aime bien. Attends, j'ai le Lechtenium. On va le mettre dans le petit coffre nucléaire là-bas. Voilà, ça dure un peu plus longtemps. Alors, Reward Bag. Oh, bah super, j'ai eu un peu de bouffe. Je suis bien content. Tout ce qui est étoile, on va laisser ça là. On s'en fout. Attends, j'ai un autre Reward Bag. Gravity Helmet. Waouh! Tête de creeper, casse-toi. Gravity Helmet, comment Ouais, on garde le. les têtes Ah, de bah mob. j'ai jeté, attends. Ouais, c'est bon, je l'ai. Oh, faut une depleted Nether Star. Created when the star is born. Une déplétée, d'ailleurs, je crois qu'on en a une en coffre. Ah, bah ouais? Il faut du steel. Ouais, c'est bon, je l'ai. Bah vas-y, on a du steel ou pas? Moi j'en ai, toi, peut-être pas. Du style, on peut en faire, oui, de toute façon c'est juste du coal et du fer, donc Vas-y, vas-y, go steal, comme ça on fait le Gravity Helmet. Putain, faudra en faire deux. ouais, bah c'est pas trop un problème. Logiquement, comme on a plein de d'étoiles, on en aura d'autres, des plated de Nether Star. Oui, ça va être créé quand l'étoile naît, donc on va en avoir plein en fait. Cool. Et en reward, on a une star, putain. Alors, il y a différents types d'étoiles. Je crois que certaines produisent plus que d'autres. Je t'ai fait 32 styles, tu me diras ce que ça vaut. Wow. Wow. Ouais, les étoiles de neutrons, mec. Ah, le mieux, c'est la. Ouais, elles ont. Les étoiles de neutrons, elles ont 2 milliards de RF. Après, elles émettent pas beaucoup. Celle qui est intéressante, qui émet beaucoup. Ouais, c'est une étoile normale. Ouais, une étoile normale. Une super géante. Ah oui, Le problème, c'est que ça 160 RF. émet qu'à 40 RF particules, mais une étoile géante, c'est 1 billion à 160 RF particules. 1 milliard à 160. C'est énorme. Merci pour le style. Attends, on va tester ce truc alors. Ouais, d'ailleurs, je sais pas comment il marche du coup le Gravity Helmet. Super Oh massif mec, faut tech. faire le chestplate, faut tous les faire! Bon bah voilà. Bon bah écoute, on le fera plus tard, hein. Putain, 1 million de RF le machin. What the fuck?
Je vais le laisser dans un coffre là. Bon, après, ça te donne une star, mais... Permettre-le. Ouais, et c'est une star bleue, c'est-à-dire elle a 2 milliards de RF. Donc c'est pas dégueulasse. Ça va, moi j'aime bien. Elle est mis à 40 en plus. Non, elle la met à 15 ou 20 par tick, c'est pas énorme. 15. Après, c'est toujours ça en plus. Le truc, c'est que ça. Ouais, ça nous fait une source infinie. On a besoin d'énergie. Et on peut les cumuler. Après, si on a des 160 RF, des super géantes, ce sera pas mal. Alors, bon, bah du coup, on a pas mal avancé sur ces quêtes. Il reste que le Star Harvester, mais il faut qu'on aille sur Pluton. Est-ce que ça dit d'aller sur Pluton maintenant qu'on a des tiers 3 roquettes? Oui, on va sur Pluton. Et on va explorer un peu. Attends, je vais recharger l'oxygène. Je vais recharger des petites fusées quand même parce que... Il n'y a plus d'énergie en bas, c'est toi qui les as vidées ou... Ou bien... Harvester. Il y a plus d'énergie, je pense qu'elle a plus d'énergie là. Parce que s'il n'y a plus d'énergie, on est un peu dans la merde. Ici. Ah bon. Ah, mais je sais. Qu'est-ce que t'as branché dessus? C'est les trucs branchés dessus, j'ai trop pompé d'énergie. Arrêter de pomper. Là, on arrive au bout. Pourtant, ça produit de l'énergie, mec. Qu'est-ce qui pompe autant d'énergie, c'est ça? Non, il est chargé au max. What the fuck, mec? Qu'est-ce qui nous consomme toute l'énergie? Elle est bonne celle-là. Y a un problème avec un câble? Ah, pourtant il ne devrait pas y avoir d'ailleurs. Non, bah non, parce qu'on n'a rien qui tire de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai tiré en énergie? Ah, elle est bonne celle-là. C'est les étoiles là-bas, je crois. Tu sais quoi, on pourrait tout brancher au Ah, réseau central. Hein. non, eh, y a un câble qui a disparu en dessous. What the fuck? Pour ça. Ça, je le rebrancherai plus tard, mais Charger ça pour l'instant. ouais, c'est bizarre. Il y a eu un câble qui a Bah, il débloqué. était peut-être pas là tout à l'heure, tu sais quoi, et Oui, ça va mieux là d'un coup. Ah, c'est Voilà. chelou. Bizarre, je vais recharger les batteries. Ouais, on est rechargé aussi. Rechargé juste. On va charger ça aussi. Et on a. De Alors, on a les fuel. tiers 2 qui sont là. Ouais, mais comme on va faire la tier 3, on s'en fout un peu. Pas crafté encore? Non, bah je vais te passer ce qu'il faut pour que tu la craftes. Alors, attends, on avait là. On a la raffinerie. Hop. Tiens, elle est derrière toi là. La composition entière. Merci. 2, 3. Tac, 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 tac. Boum boum. Oui. Bon, elle est comme les autres, de toute façon. Elle est plus belle. Ah. Bon bah j'ai des stable ingots mais j'en ai beaucoup. Ah, un glitter, un basic. Le basic ça me donne. Ok, deux stacks de marbre, YOLO. Alors attends, on va essayer. What? Et fuel Next, canister. next, next, next. Heavy Rocket Fins, on les met où? J'en ai 4. Ah, tu fais shift click et ça les met directement. Oh, c'est beau ça. Oh Attends, putain. il manque un tout petit truc. Ah non, ils sont là, les boosters. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, fat. Oh putain, mec! What the fuck? C'est quoi cette fusée? C'est la tier 3. Quoi, ce god géant, plutôt, devrais-je dire? Faut peut-être qu'on mette plus de carburant, non? Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Ah, quoique, attends. Dans tous les cas, on emmène les canisters, donc on peut récupérer, on s'en fout. Là, une canister, ça fait... Je suis à 60%, 65, 66%. Bon, vas-y, j'en fous une deuxième. Hein. Hello. Façon, c'est pas ce qu'on a derrière. Ah, tu veux des canisters? J'en ai raffiné plein de. Ouais, c'est Et ça justement. s'obtient en foutant. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on mette pour. Oh, je l'ai fait C'était du en bois dans bricolant. le crucible, ça fait du Du pétrole. bois Du oak. ouais. Bois brut ou je me souviens plus. Ouais, bois brut, le oak. Ouais.
Ah oui, par contre, c'était du hoc, c'est ça le problème, c'est ça qui était chiant. Ça marchait pas avec les autres. Bon, par contre, je vais juste recharger mes... Elle est pleine. Tiens, ah, je sais pas si on peut récupérer. Non, on peut Vas-y. pas récupérer, mais bon. Le branche sur le tien. La mienne, elle est pleine, hein. Ouais, pareil, je vais juste recharger deux batteries. Ouais, je pense qu'il en faut qu'une seule pour Faudrait le que je reste. me foute un petit panneau solaire. Sur le toit? Sur la tête? Non, pas forcément sur la tête, mais plutôt sur le niveau des chargements là-bas. Ah oui, ouais, mais s'il fait nuit. Ouais, bon, un petit coup de générateur. Hop, j'ai les batteries. Limite, à un moment, je pourrais faire de plus grosses batteries d'ailleurs. Oui, on pourrait faire les batteries, les tirs supérieurs de batterie, ça c'est cette base, non? Mais ouais, c'est cette base. Après, les tirs supérieurs, ça demande du sulfure cristal, même s'il s'en faut qu'un. Et on obtient ça où? Bah, sur Vénus. Sur Vénus! Bon, les go! Bah, go, hein. On va décoller! Putain, elle est tellement géante, le machin. Et on va explorer un petit peu là-bas. Bon, bah c'est cool! Qui avance là? Donc on va sur quoi? On peut aller sur les sur Saturne et ces trucs. T'as pris ton fuel loader? Non, c'est toi qui l'as. Il est dans le coffre. Putain, il est tellement fat la machine. Alors sur les planètes, on pourrait aller bah justement Jupiter et ses IO. Satellite. Mais tu sais quoi? On va sur Vénus. Non, sur Pluton. Allez, 3, 2, 1. Oh la vache, la Putain. fumée! Et on va brûler la base. Oh Mais mec, on est en train de tuer SLT, regarde. Non! merde! SLT! Reste pas en dessous, connard! 15. Ah, c'est bon, il s'est protégé en dessous, mec. Là, il subit rien en dessous. What the Oui, fuck? attends, dans 2 secondes, il va crever. 14, 13, 12. Bon, moi j'y crois. On Oh se putain! décollage ensemble. Non, Vénus parce qu'il Pluton parce qu'il nous faut les cristaux. Attends, c'était Vénus ou Pluton? Ouais, Pluton. Bah c'est quoi, c'est les cristals ou... Oui, c'est forcément Pluton. Oui. Vas-y, on va sur la pla... ah, on va là où personne n'a jamais été. Voilà. Sauf une sonde récemment. Très récemment. Très lointain, je sais plus. Pluton Alors, Pluton. à Tatooine. Attends, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas des satellites. Bah j'ai du Ah oui, on rush. atterrit comme ça. Bon, on va peut-être ralentir. Wow! J'ai vu quelqu'un passer là juste au-dessus. Je vais freiner, hein, parce que je me suis écrasé une fois, pas deux. Oui, surtout le prix de la tier 3, non, hein. Ouh, c'est très le frein. Oui, il freine bien. Ah, est-ce qu'on tente le donjon aussi? Je sais même pas s'il y en a un sur Pluton. En bloc, 300 blocs. Bizarre qu'on atterrisse comme ça et pas avec des bouboules parce que l'attraction est très faible sur Pluton en fait. Tout petit comme planète. Hop, putain, Ah bah t'es arrivé avant moi. J'ai tellement de fuel que je vais directement les recharger. Ouais, tu vois, y en a trop d'en mettre. Ah, par contre, on peut recharger la roquette, ouais. On les recharge comme ça, tu peux récupérer le fuel qu'il y a déjà. Ouais, je la rechargerai après. J'ai tout récupéré le fuel. J'en avais pris deux, moi, de... Bon, Pluton! Comment c'est, Pluton? Bah, pour l'instant, c'est plat. En tout cas, il y a un gros soleil noir qui arrive. C'est Jupiter, ça? Non, c'est quoi? C'est juste le soleil, mais tout petit. Enfin, Ah, par contre, la gravité, je te jure. v'là la gravité, mec. Je Yeah. récupère mes canisters qui volent. Bon les gars, on explore un petit peu et dès qu'on trouve des trucs intéressants, on vous dit ça. The fuck, c'est quoi? Ah, Bah... on l'a aussi, mais on n'avait Oui. pas ce skin là avant. Non. C'est depuis qu'on a mis à jour. Et les gars, on a remarqué un truc, j'ai repris le record pour la fois épée. Depuis qu'on a mis à jour Galacticraft, on a cette petite antenne là. Bip, 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 bip. bip, bip. Et on a trouvé aussi une crevasse. Bon alors faut pas être trop pressé pour descendre. Donc ici on cherche quasiment que du saphir et Du bah il y a de frozen. l'iron mais frozen. On voit rien par contre.
Un petit night vision? Oui. Avec grand plaisir. Ouais, grand plaisir. Un petit night vision. Hop. C'est vrai qu'on voit vraiment rien. Je crois que c'est 16. Ah oui. Voilà, un petit night vision. Putain, c'est vrai que c'est les ID, mec. C'est galère à retrouver les ID. Pas habitué du nom. Space. Bon, un petit night vision pour vous. Bon, on a plein de Frozen Iron, hein. Ouais. Oh, c'est quoi ce petit truc bleu? Du saphir, du saphir. C'est ça, du saphir. Il nous en faut beaucoup. Enfin, beaucoup. Prends-en un max, parce qu'on va pas revenir sur Pluton, à part le saphir. Ouais, du saphir, moi aussi. Saphir. Oh, du saphir. Alors, sur Pluton, qu'est-ce qu'on peut On va en avoir avoir comme besoin aussi minerai? pour le l'astro mineur. Ah, c'est Pluton. Oui, encore. C'est pas Ouais, c'est Pluton. plutôt. Je crois que pour l'astro mineur, on a besoin de quoi pour l'astro mineur? On a besoin de. Du dash, du cheese. Ah non, c'est du colle. Ah non, on a juste besoin de. Et si de l'ilménite. Je sais pas où on trouve de l'ilménite. Une minute. Je Ah putain, c'est vrai que ça me fait sage. Ok. Et c'est horrible pour descendre, mec. Oui, je confirme. Surtout quand c'est un trou paumé et. Ah, tu sais quoi? On creusouille. Ah ouais, on creusouille. Oh, c'est classe, des cailloux de toutes les directions. C'est violence. Voilà, Alors, tu faut fais juste une qu'on. grosse vague de cailloux derrière toi. Hein. Je dis ça, Là, je on te. est. Ah oui, couche 50, peut-être descendre. Ouais. Putain, c'est. Par contre, c'est vraiment mortel de descendre. Oh, je suis tombé sur du saphir. Ouais, pour descendre, c'est galère. Pour remonter, ça va être plus sympa. Tuc-tuc. Tuc-tuc. Bonjour. Oui, tu creuses comme ça. Et descendons. Donc on a 6 saphirs et l'autre c'est du frozen iron. Donc comment on fait? On le fait cuire. Oh, on obtient du frozen iron. C'est pas de l'iron, mec. Oui, c'est du frozen. T'as Que du des sapin. utilités. On peut faire du Unu Pentium. Frozen iron plate. Pas quoi ça. Attends, le Unu Pentium, je sais pas à quoi ça sert. Utilité. Hop. Et à part pour faire des plates, j'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. Non, et puis surtout qu'il je crois qu'il a bloqué les autres tiers donc Ah si 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 si. Pour Stargate, on en a besoin. Youpi. Pour faire des Stargate Power Unique, on doit faire des EV du type plate de Pluto. Il faut du saphir, du frozen et du Unu Pentium. Oh Donc on en merde. a besoin, mec. Ah, t'as trouvé un truc ici? De quel Ouais. côté t'es parti par contre? Ah bah non, Par t'es le parti nord. du même côté. Bon, j'ai pas, je vais vers là-bas. Bon, les gars, on va miner tranquillou. Et puis on se retrouve sur Terre. Bon, parce que, sauf si on trouve vraiment des choses intéressantes, mais sinon on se retrouve sur Terre. Oh mec, j'ai du plutôt une Pentium. Il est rose fluo le machin. Ouais, c'est ça. Ok, nice. Sachant qu'on va faire du Unuptium avec du Frozen Iron, hein, donc. Oh bah ça va. Si tu veux, tu peux switch l'un dans l'autre. Bon, on va essayer de récolter le max qu'on peut avec l'oxygène qu'on a. Et puis, on se retrouve sur Terre. Enfin, sur Terre, sur la Lune. Voilà. Oh, bonjour les zombies. Quelques stacks. Moi, j'ai un stack de chaque. Et puis, il y en a deux de chaque. Et un peu de Unu Pentium. Et on s'est dit, quand on a encore un peu le temps, On décolle. on décolle et on va aller sur une autre planète. On en profite, hein, vous savez, les petits trajets interplanétaires, ça prend du temps, environ. Combien de temps il faut pour aller là-bas? Ça doit se compter en années. Hein. Ouais, on a des lumières, ouais, mais après. Non, pas en années-lumière, en années tout court. Ah! Oh bah, 3 ans. Tu vois, c'est un truc comme ça, 2-3 ans, je sais pas. Bref! On s'est dit, plutôt qu'attendre de continuer la série dans 2-3 ans, qu'on allait faire un tour. Donc sur les satellites de quoi? Jupiter ou Saturne? Je crois que c'est Jupiter. Il semble que c'est Jupiter, hein, on va sur Europe ou un truc comme ça. Il y a Io, Europe, Galilée. Ouais, c'est Bon, ça, Io, c'est on peut. Jupiter. Io, ça. J'espère qu'il y a Jupiter dans le ciel, mec.
envie de voir des belles choses. On peut aller aussi dans... On va sur laquelle, Io? Alors attends, on a le choix entre Yo, Europe ou Callisto, tu vois, je t'avais dit. Yo, on peut y aller, mais c'est dangereux, hein, ça va être plein de lave et tout. Ah bon? Ouais, parce qu'il est super pro. Vas-y, on va sur Yo. Oui, Yo! yo. Des Ah. bouboules. Les bouboules. Alors, c'est bien, il y a Jupiter, il y a, ouais, il y a Jupiter plus le Soleil. Stoing. Ouais, mais t'as pas rebondi droite. Non, je Putain, mec, rebondis jamais. on est sur, j'ai l'impression qu'on est sur du fromage, quoi. Ting, 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 ting. Allez, arrête-toi, voilà. Hop, je remplis ma canister. Voilà, parfait. Là, ça consommait beaucoup moins, accessoirement. Oui. Du coup, je pense même qu'on doit pouvoir refaire un mini trip. Ouais, pff, non, on n'aura pas assez d'oxygène. On viendra au pire. On n'aura même pas assez d'énergie plutôt, oui. Ouais, mais tu mets à peine la batterie, tu recharges à peine juste pour faire le tri sur Europe ou Callisto. C'est juste à côté, hein. Ça doit quasiment rien consommer comme carburant. Ah d'accord. Mais bon. La prochaine fois, je prendrai quand même un solaire, au cas où. Ouais, un solaire. Un solaire, c'est pas bête parce que ça va nous permettre de recharger. Bon, bah pareil, les gars, on trouve des grottes, on regarde. Je reviens vers vous dès qu'on a des choses intéressantes à montrer. Oui. Ouais. Eh, 3, 2, 1. Bon! On a un donjon! Et d'ailleurs, pour info, il y en avait un sur Pluton aussi. Puisque en regardant les blocs, on a des plutôt donjons briques. Alors par contre, Oui. en vrai, il n'y a pas grand-chose comme minerai sur Io. Ah bah tiens, il y en a un petit peu ici. Il y a du sulfure. Ouais, beaucoup de sulfure. Beaucoup de sulfure. Ouais, je crois même pas de dégâts. Et il y a aussi de... Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Non, après c'est du basalte, mais c'est des blocs en fait. Ok, le coffre d'entrée est vide, c'est déjà pas super bon signe. À mon avis, tu vois, comme on a les schémas déjà dès le début, on n'a rien d'autre après. Ouais, c'est mort, c'est la même chose que sur. C'est un peu dommage. Donc, à mon avis, bah du coup, le boss, il n'y en aura pas. Non, je pense pas qu'il y aura de boss. Et pareil, en fait, ils sont mal générés, je sais pas pourquoi. Et là, c'est un peu chaud, mec. Alors, évidemment, de l'eau sur Yo. Hein. Yo yo Tranquille. yo. Donc voilà, pas de donjon. Ça ressemble beaucoup aux autres donjons. Je pense que c'était un Blaze. Ça ressemble beaucoup à celui de... C'est quoi? C'est de la Yostone. Ouais, c'est du Est-ce que... donjon 2 donc. Pierre 2, vas-y, file une clé quand même, on sait jamais, même si je pense qu'il n'y a rien dedans. J'ai encore bugué. C'est bien possible, ça m'étonnerait pas de toute façon. C'est les planètes Force Space qui sont buggées, pas les planètes Galactic Raft. Voilà, rien Ouais, y dedans. a rien. C'est ouais, c'est les planètes Force Space, donc c'est un peu bizarre parce qu'on a tout mis à jour, hein. On a supprimé aussi. De toute façon, Pluton, on n'était jamais allé. Pluton, Io, on n'était jamais allé, donc. Bon, écoutez, Oh, c'est de la lave. on va miner tranquillement. Je pense qu'après, on va revenir à la base. On est à ce qu'on est venu chercher. La lave est différente. Ouais. Dans le Et saut, oui, ça devient. effectivement. C'est de la lava, steel name, je sais pas trop quoi. Alors, t'as des buckets en titanium que tu peux faire avec du sulfure. Ah! Et titanium bucket de Io, et peut-être c'est justement pour récupérer. Ce liquide là. Ok. Ouais, va savoir. Ouais. Bon, on verra si c'est utile ou pas. Je te propose de rentrer à la maison, qu'on fasse le Star Harvester et qu'on voye Ouais. un petit peu la suite. Ok. Ouais, tranquillou. Attends, je vais le faire moins de... loin des réacteurs, on va le mettre par ici. Ça depuis tout à l'heure, je recordais pas moi. Oh merde! Va tant pis. Bon, j'ai juste fait le craft, hein, tu sais, c'est pas. Ah bah bien. Bon bah voilà. Oh merde, ça se branche pas dessus, mec. Je sais pas, attends. Ça le branche en dessous, hein, des fois. Ouais, je confirme, ça se branche en dessous. Alors du coup, attendez, on va la recasser.
Mais écoute, ça a l'air de marcher, hein, ça, et une fois de plus, ça m'attire vers le truc. Bon bah c'est ça quoi. La question, c'est comment réussir à obtenir des étoiles? Ça doit se crafter. Bon bah voilà. Ça c'est cool. Ouais. Bon, en fait, faut vraiment le faire loin pour pas être attiré en permanence sur le truc, parce que sinon c'est chiant. Non, bon, que ce soit gâche, tant pis. Pas moins d'oxygène. Hop! Bon bah voilà, écoute, on génère un peu plus de courant, à combien? Du coup, t'as réussi à le brancher 3. quelque part? Ouais, c'est branché sur Ah bah oui, sur les autres câbles, ok. ouais, sur les autres câbles. Ouais, on est à 518, mec, ça produit pas mal, hein. Non, Ça ça va. produit 80 RF par tick. Bon, par contre, ça va vite brûler, hein, vraisemblablement, parce qu'il n'y a pas non plus une milliard de RF. Bon, on forcera la quête, nous, hors Ouais. caméra, tranquillou. Parce que clairement, on l'a crafté, surtout qu'ils disent qu'il faut aller sur Pluto pour le faire et tout. Et comme ça, il nous reste ça pour avoir cette étoile-là. Et j'aimerais vraiment bien commencer Stargate après. Mais alors, le problème dans Stargate, faut que je retourne miner Vénus. sur Vénus, hein? Ouais. Faut des cristaux de Vénus. Donc, bon, voilà, faudra retourner miner un petit coup. On n'a aucun autre moyen de l'avoir. Et il va y avoir le souci qu'il faut qu'on ait Silk Touch aussi pour faire le mining. Si on en a vraiment besoin, je sais pas trop encore. On verra bien. Voilà, en tout cas on peut fusionner, on peut faire tout ce qu'on veut niveau élément. Il nous reste tout le. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Oh wow, ça c'est juste deux petites quêtes qu'on finira tranquillement. Il reste la polytool à faire. On n'a pas fait l'oxygène sealer et l'air le contrôleur. Ouais, alors le polytool à faire, le problème c'est qu'il faut. Faut prendre vachement de carbone en fait. Donc c'est un petit peu chiant à faire, mais ça se fait, hein. C'est que de la tâche répétitive en gros. Faut décomposer à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Je le ferai avec un tu sais, avec un gros hopper en dessous qui avale tout. Ça sera simple. Et une fois qu'on a fait le polytool, on a quand même en fait là-dessus. Il reste le more power, hein. Il nous reste pas mal de choses à faire, même s'il y en a qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'on n'a pas fait le basic power capacitor alors qu'on a les capacitors bank. Mais là non plus pas trop méchant. Et moi c'est surtout Stargate qui m'intéresse là beaucoup. On va pouvoir, normalement on va pouvoir faire des portes entre les étoiles en fait. Entre les planètes. Ça Pour c'est cool. stepper d'une planète à une autre. Donc voilà, ce sera le but ultime les amis. En tout cas on a fait nos réacteurs. On a exploré pas mal aujourd'hui avec le tiers 3. Et du coup on se dit rendez-vous à une prochaine. Ciao ciao ciao. Bisous.